Pour l'instant, je vais voir en studio et puis ça fiche. Je vais trouver un micro sur le studio, ça va être un bar. C'est un job. Là, vous mettez votre studio, il y a un bar, les gens qui viennent, et la comptette qui va venir, c'est parfait. Il y a des douches, des toilettes. C'est un lieu un peu typique. Mehdi, moi ça m'intéresse. Je veux pas avoir les tarifs, mais. Tu sais, quand tu vois ce que tu peux rapporter, ce que tu pourrais te rapporter, les gars, sur 2 heures, t'as quasiment gagné ta journée de location sur Roche. Si tu mets 10 personnes dessus, t'as rien. Hein. C'est un bourse fermé parce que tu fais tellement bien là-bas. Non, voilà, mais par contre, faut faire un truc quoi. Vraiment, comme tu dis, vous faites la location de terrain sur Roche, privatisation pour le truc, et le matin, vous arrêtez plus quoi, vous dites. Dans tous les cas, à tout péter, vous allez avoir peut-être 3 séances par semaine de discernement dans tous les cas de squash. Louez ça que pour du bien, parce que et puis il n'y a pas de bruit, ils sont nickel dans une grande salle, ils ont de quoi faire regarder les gens, ils mettent tête par terre, c'est pas crado. Pour moi c'est un truc qui marche très bien parce que ma mère m'a dit pareil, elle, son prof de gars il est bon, mais elle va chez lui et tout, c'est bizarre. Parce qu'il n'y a pas de vestiaire. Pareil, tu loues un terrain squash pour certaines danses. La danse, il n'y a pas beaucoup de lieux en danse. Il n'y a que des endroits municipaux, machin, c'est pas trop rigide, machin. J'ai quelqu'un qui a vu une démarche au squash cet été en me disant est-ce que vous avez des salles à louer pour de la danse brésilienne, machin, je sais pas, un truc et tout. Je dis nous c'est parce que le studio il est à moitié en. Tu sais, c'est moitié derrière, le mur du fond et en diagonale, machin, ça. Il disait que ça pourrait pas le faire, mais on m'a dit que certains trucs, il m'a dit vous le louez en 2 jours, vous allez trouver quelqu'un en 2 jours. Parce que les gens ne veulent pas forcément aller dans les salles de gymnastique, tu sais que par contre c'est pas du tout. Tu vois, c'est un système un peu énorme. Et la concurrence est énorme. Donc dans tous les cas, c'est que des mecs qui blanchissent de la thune qui sont là. Il y en a beaucoup. Ce qui m'expliquait un mec du squash, qu'est-ce que je veux faire. Il me disait les 3/4 des salles de fitness, des histoires de sauce. Donc, voilà, nous on est à ce point-là. Mon intérêt, moi, dans mon métier, du coup, je m'occupe de la clientèle loisir que j'aime bien, quoi, tu vois, discuter, mais j'aimais bien. Je me réveille matin, j'avais une proposition de Nick Monsieur pour venir en match exhibition en septembre. Je lui dis non. Le mec, il venait gratuitement, quoi, tu vois. Ah ouais, parce qu'il fait une tournée d'adieu, là. Il termine cette dernière chez nous. Tu as... Ça va, un revenant. Mais tu l'as piqué à quoi ton mec là? Pourquoi? Il y a moins changement. Bah, c'est vraiment, hein. Et ça faisait longtemps que ça parlait. Il est 7h. C'est un jour du monde. Ah, c'est chaud, papa. Toi, c'est à suivre. C'est à suivre. Ouais, c'est sûr que le matin, quand je fais avec. Ouais, après, peut-être que c'est juste un mauvais moment à passer pour Philippe. Et puis voilà. Peut-être que lui, il stresse. Moi, je pense que c'est vrai que c'est pas dur de se dire putain, qu'est-ce qu'on fait. Ouais, voilà, puis, ouais, le chiffre est bas. On revient avant. Le truc, c'est qu'on revient avant. Il n'a pas forcément vu le truc venir. C'est peut-être censé un peu invincible avec ce qui s'est passé. Oui, pendant des années, il nageait dans le bonheur. Il pensait que ça allait pas marcher, votre club. Manque de plus, ça a marché. Maintenant, faut. Moi, je pense que s'adapter. Moi, je pense qu'un club, il peut marcher que si c'est la passion du squash, dans tous les cas. Et nous, à Brest, mon père s'en est sorti. Bon, après, parce qu'il était chier, était passionné. Il aurait dû fermer depuis des années et des années. Si on envoyait les chiffres qui sortaient même pas de terre. Ça a marché. Aujourd'hui, s'il avait pas été un minimum passionné par les 4 clubs, maintenant, il n'y en a plus 4. Depuis 15 ans, il n'y en a plus 4. Mais au tout début, quand il s'est monté, il n'y avait que 4. Donc, c'est dur, c'est un milieu dur. C'est pour ça que maintenant, moi, j'ai aucune envie de faire que du sport. C'est-à-dire que moi, je reste dans le centre, dans le petit coup. Ah, je vais entraîner des gens, machin. Par contre, je ne sais pas comment faire. Je n'ai jamais fonctionné avec du squash. C'est impossible. Enfin, maintenant, c'est monstrueux. Et comme tu dis, il faut être blindé du matin au soir. Pour être deux, le salarié de temps, t'as intérêt d'y aller voir. Voilà, et si vous êtes déjà en train de. Tu vois, si tu prends le chôme du machin, une fois sur deux, truc, c'est fort, ça marche pas, c'est ce qui se passe avec son ancien associé. Donc tu
vois, c'est pas un truc, voilà. Par contre, tu fais du multifonction. J'ai étudié tous les trucs, en tant que de plus, tous les clubs du monde, t'as quasiment jamais connu ce que ça n'existe presque pas. Tous les clubs ont un petit truc à côté, avec ce que tu fais, tu peux pas du coup. Restaurant, après restaurant, maintenant, avec tout leur tracé, et tout ça. Pareil, restauration, on n'en fait pas, lui. On voit, mais un truc hyper intéressant qu'il fait, François. JF, je pense que c'est l'une des meilleures personnes à discuter de business en soi. Il est vraiment fort. Il soumet en fait un espace pour que un mec vienne vendre sa vie à son club. Parce qu'il a beaucoup de passages. C'est ça, parce qu'il a beaucoup de passages. Tu vois, au long terme, plutôt que de s'emmerder à faire à manger, d'avoir un truc au nord et tout, et ben, tu lances ça. D'accord. Sur le cours numéro 2, Barreau contre Mekensi. On va le voir 6-5 mois par là. On fait un peu de croque-monsieur. Non, le traçabilité, c'est une carrière. J'ai discuté avec quelqu'un récemment, il m'a dit en ce moment, ils sont en train de passer des trucs. Il faut garder des tickets de caisse. Donc si tu fais un jambon dans un sandwich, il faut garder 5 ans pour les tickets de caisse. On va faciliter les autres. Savoir à quelle température tu leur reçois. Si tu prends un contrôle et t'as pas tout ça, tu peux donner la merde. Moi je pense qu'il faut être calé en restauration pour la restauration, mais si tu veux pas, tu veux pas danser.